Bonjour tout le monde, ici Picap Officé pour notre épisode de Dead Island 2 sur PS5. On est dans le studio de cinéma et on doit essayer de trouver Michael. Je sais pas, il est où. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on a trouvé une trail. Un beau chemin plein de vomi acide. Ce qui me laisse à comprendre que peut-être qu'on va voir notre deuxième type de zombies spéciaux. Donc, écraseur, on a une nouvelle information, j'ai pas remarqué, jusqu'aux os. Mutiler les bras des écraseurs pour neutraliser leur volée de coups et frappes d'en haut. Et récupérer des morceaux de zombies pour vous amuser le soir au coin du feu. Comment type de zombies? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 zombies spéciaux, on en a juste vu un. J'espère que c'est pas 11 zombies spéciaux, mais qu'ils se ressemblent tous. Là. Nice! Kinda wanna see this movie. C'est quoi, je pense que j'aime mieux bloquer, honnêtement, là, que dodger. Puis au pire des cas, vu que je bloque, je pourrais mettre ça ou un vrai mur de briques. Bloquer et défiler donne un bonus modéré de force. Quand je bloque. Tu vois les veines bouger, ça, je trouve ça fascinant. Peut-être que je vais faire ça. Non, je peux faire ça ici. Cool.
tu vas mourir, c'est-tu? C'est le marteau. Ah oui, ça va faire mal, ça, tantôt. Faut juste que j'aille la bonne affaire. Hello, je suis perdu. Pouvez-vous m'aider? Non? Encore dans le studio 7 là. Oh yeah, more things to press. Ah shit. It's locked. L'avènement du dieu araignée. Dans un temple souterrain de nuit, une grande pièce principale taillée dans la roche millénaire avec d'immenses piliers de pierre qui portent un lointain plafond, les ombres dansent au gré de feux disposés en couronne autour d'une immense fosse centrale dont le fond se perd dans les ténèbres. Tout autour, des adeptes battent un rythme pesant en spalmodiant une mélodie surnaturelle, d'où un pilier qui aime à les mains menottées à un piquet en fer fiché dans la roche au-dessus de sa tête. Devant elle se trouve la grande pétresse, brandissant fièrement la lance de Xumkax de sa main gauche. Cette dernière savoure son triomphe. Grande prêtresse, si vous voulez que le travail soit fait, elle se penche pour caresser le joue de Kim. Grande prêtresse poursuivant, c'est une femme qu'il faut l'envoyer. C'est une femme qu'il faut envoyer. D'un geste sensuel, elle descend la fermeture de la veste de Kim, y glisse la main et la fait courir le long de son corps pour atteindre la poche intérieure. Kim lui lance un regard réprobateur, la grande prêtresse se contente de sourire puis ressort la main avec le jus dans sa paume, l'œuf, qui brille d'un éclat au vert menaçant. Elle la presse doucement et observe avec fascination les étincelles sombres qui animent le liquide luisant à l'intérieur, puis elle se tourne vers un socle sur lequel trône une coupe en pierre noire. Kim fixe la coupe d'un air désespéré. C'est une très mauvaise idée. Ignorant la remarque, la grande prêtresse dépose l'œuf dans la coupe, puis prend un peu de poudre dans une aiguille et la répand par-dessus. L'œuf se met à fumer, la membrane se rompt et le liquide vert s'en écoule, toujours luisant. La coupe se met elle aussi à fumer, la grande prêtresse la lève haut de sa main droite. Le battement part d'un crescendo effréné et un éclair vert jaillit de la fosse pour frapper la coupe, illuminant le visage radieux de la grande prêtresse. Les membres de la secte reculent terrorisés en voyant d'immenses pattes d'arachnides velues émerger de l'abîme, puis une araignée horriblement gigantesque se hisser dans la pièce. La grande prêtresse pousse un cri de triomphe. « C'est moi qui t'ai invoqué. Moi, Iaxaluo, j'accomplis mon destin. » La gigantesque araignée se dresse, pointant deux immenses pattes avant vers le plafond, puis braque les yeux malveillants sur la grande prêtresse qui se tient, lance brandie dans une main, coupe dans l'autre et tête renversée, prête à recevoir sa bénédiction. La créature crache un amas de venin verdâtre qui vient la couvrir des pieds à la tête et elle pousse un terrible cri de douleur en sentant sa chair se liquéfier. Quand ses os commencent à se dissoudre à leur tour, elle s'effondre en un tas de boue verte. On aperçoit derrière le visage horrifié de Kim, la lance et la coupe tombant au sol et cette dernière roule jusqu'au pied de Kim. Encore rempli d'acide fumant, quelques gouttes renversées commencent à attaquer la roche avec un sifflement. C'est bon, c'est toute la film, c'est ça. L'araignée se met à cracher du venin sur les membres de la secte qui essaient de s'enfuir en hurlant. Kim étend la jambe, passe le pied sous la coupe et l'envoie en l'air. La coupe lui frôle la tête, mais elle réussit à attraper le bout du bout des doigts.
attraper le pied du bout des doigts. On la voit trembler, l'acide prête à se renverser sur son visage crispé, mais elle parvient à mieux assurer sa prise et à répandre le liquide sur le verrou des menottes. Le métal se met à fumer puis à fondre, et Kim se libère et bondit hors de portée jusqu'à une giclée de venin vient. Juste quand une giclée de venin vient frapper la roche là où elle était attachée. Au ralenti, elle saute et se contorsionne en l'air pour éviter de justesse des crachats de venin jusqu'à se mettre à l'abri d'un dernier salto arrière derrière un gros rocher. D'où à la pierre, elle risque un œil sur le côté. À présent, l'araignée projette des toiles qui font enserrer les adeptes en train de fuir, avant qu'un fil les ramène jusqu'à son abdomen turgestant, en tout cas. Kim se remet à l'abri et on aperçoit soudain un membre de la secte qui, caché derrière les mêmes rochers, jetait un œil au côté opposé et recule en même temps. Désormais, côte à côte, ils se remarquent mutuellement. L'homme fait un rictus nerveux. Changement de plan, on voit l'adepte catapulté par la botte de Kim, valguindé de derrière le rocher. Il est tout de suite enveloppé par un jet de toile, puis tiré jusqu'au corps de la créature, où il vient se suspendre à la suite d'autres cocons tout recouverts d'araignées de la taille d'une grande assiette. On le voit s'agiter pendant que d'autres petites grimpent dessus et plantent leurs crochets. Kim jaillit de derrière le rocher et fonce en direction de l'araignée. Elle attrape la lance et dans le même mouvement la plante dans la socle comme une perche pour se projeter. Lance toujours en main droit vers la gueule de la bête, mais cette dernière réagit avec une vitesse sidérante et lui tire une toile dessus. Kim se tourne, mais la chouette s'enroule autour de ses jambes. Juste quand le fil se tend pour la ramener, elle le tranche d'un coup de lance et sombre dans la fosse. La toile toujours enroulée autour de ses jambes, ça se prend dans une saillie de la roche et elle rebondit et laisse échapper la lance. Kim, non, non, non! De justesse, elle rattrape l'arme en train de tomber au-dessus. On voit l'araignée commencer à descendre vers elle le long de la paroi. Kim, poursuivant, sarcasme grommelé, tu devrais prendre des vacances. Avec la lance, elle s'affaire sur la toile et lui entoure les jambes. Ça te détendra. The fuck? Eh ben, ça va être un film super le fun. C'est quoi ça? Effets spéciaux pluie. Caustic stuff again. Like it's stalking me. Or I'm stalking it? Et voilà. Get out of here, slimy crap. Question, c'est... Où est-ce qu'on va? Mais ça m'a répondu. C'est pas assez immense. De l'autre côté. Oh shit. Ha!
sais pas si c'est bon cette arme-là. Bon, on a trouvé la sortie. Michael and his kitchen knives again. Yeah, a big paw. Jimmy Montana, the badge. La créature est sortie par ici, a été là. Jimmy Montana, agent de sécurité. Peux-tu se battre à l'extérieur parce qu'il n'y a vraiment pas de place ici, mon gars? Ok. Ouais, j'ai la clé de sécurité de la glacière qui est à l'entrée. J'ai pas envie de savoir le film. Ok. Mokuzu, que c'est drôle. Non? Je veux dire. Oh. The Badge. Extérieur jour au bord du canal, Lisa Fenton est appuyée contre le mur couvert de graffitis d'un entrepôt désaffecté. Le sol est jonché d'ordures et de restes de matériel de consommation de drogue. Du pied, elle pousse discrètement les détritus en tirant sur sa cigarette électronique de contrefaçon. Gunn se dirige vers elle d'un pas rapide tout en regardant aux alentours pour s'assurer qu'ils sont seuls. En l'apercevant, il range la cigarette électronique et se redresse, puis l'entend les mains dans les poches et lui adresse un sourire gêné. C'est ici que tu ramènes tes conquêtes? Gunn ignore sa tentative de détendre l'ambiance, mais il marque une hésitation assez inhabituelle et semble s'agacer lui-même. Tu as les résultats? Fenton sort une enveloppe de sa poche et la tient juste hors de portée en le dévisageant. Tu veux vraiment savoir? Il tend la main et saisit l'enveloppe. Il reste bloqué dessus en un instant, puis l'ouvre d'un geste rageur. En sort une feuille et se met à lire. Les yeux courent sur la page. Fenton pose son bras sur son épaule avec un sourire hésitant.
Félicitations, tu es papa. Il la regarde fixement, l'air stupéfait. Lentement, il plie la feuille et la met dans sa poche. Il peut y avoir une erreur. Elle secoue doucement la tête. Fiable à 99,9% d'après le labo. Il s'appuie sur le mur et se retourne vers le canal. Elle vient s'appuyer à côté de lui et d'un regard essaie de jauger sa réaction. Elle est comment? Je me suis introduite chez elle pour piquer des cheveux dans la baignoire. Je ne suis pas resté faire la conversation. Elle sourit. Elle aime faire sa toilette apparemment. Il la fixe d'un air pétrifié. Elle pousse un soupir. Bon, écoute. Je l'ai cherché dans la base de données. J'ai trouvé son dossier. Il fronce ses sourcils. Elle a un casier? Fenton répond un peu à contre-cœur, comme réticente et relevée tout ce qu'elle sait. Non, elle est flic, tel père, telle fille. Il la dévisage. Elle est dans quel service? Fenton se mord la lèvre. Ça ne va pas te plaire. Elle sort une autre feuille et la tend à Gunn, qui la lit rapidement. Il laisse tomber son bras et la fixe à nouveau sous le choc avec grimace. Je t'avais prévenu que ça n'allait pas te plaire. The Badge. Et que ça a l'air bon. Hein? Bon, moi, j'ai la clé. Tun, 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 tun. Attaque de police nuisible. Je prends tout le stock que je vois. Pièce récupérée. J'en ai une. Je pourrais construire quelque chose. Lui est déjà 220, là, tu sais. Augmente les dégâts. Faudrait des morceaux encore une fois. Ok, ouais, on voit. Là, on doit continuer à explorer. Footprints. That's more like it. Suivez la piste de Michael. Je peux pas aller là. De toute façon. Pièce récupérée. Que sont-ils devenus? Un
Un article People de la section sport du site de la 24 News particulièrement chargé. La coupure de connexion a été interrompue. Le chargement des images, mais le texte est disponible. Sacré retour dans le passé. Logan Carter, vous vous souvenez? Au milieu des années 2000, le monde du football ne parlait que de ce jeune quarterback après une victoire à l'arraché dans le playoff en 2004. Il semblait bien parti pour mener les Texans au titre jusqu'à ce qu'un accident de voiture sous l'emprise de l'alcool mette fin à sa carrière et aux espoirs des supporters de l'équipe avec 6 fractures de sa jambe pour lui et un mort tragique pour sa jeune passagère. Si effectivement vous vous souvenez de lui, vous aurez peut-être du mal à le reconnaître aujourd'hui, lui qui semblait avoir disparu de la surface de la Terre, bien d'être aperçu dans une station-service du Montana. Il est de retour au volant. Nous nous sommes d'abord demandé si c'était bien lui, mais ses tatouages ne mentent pas. Monsieur Carter, si vous ne voulez pas qu'on vous reconnaisse, trouvez un bon correcteur ou des manches plus longues. On est certes loin de l'élite du sport, mais qui eût cru que jouer au Canada l'affecterait si visiblement? De quel crime contre le football a-t-il donc été témoin? En 2004, il avait été élu l'homme le plus sexy du Texas, avec sa nouvelle barbe et la véritable ablation du style dont il était victime. On doute que les Spurters se précipitent pour revolter pour lui un jour. Allons, Logan. Tout n'est pas si noir. Ce toutou qu'on aperçoit par la fenêtre du pick-up est indéniablement adorable. Incroyable. Which way now? Eeny, meeny, miny, moe. Je soupçonne qu'il doit être à quelque part. Commencez par voir ici. Ok, un gros, hein? Mon gros. Wow, Hulk. Bois que son rat.
C'est quoi ça? Ma grande chance. Comment ça se passe, ce tournage? Ouais, super, j'ai même aperçu Emma tout à l'heure. J'aurais pensé à mes répliques. Il vaut mieux la jouer posée ou intense. Ça pourrait être ma grande chance dans le jeu. Je veux qu'on me remarque. Tu vois le truc? C'est l'argent qui parle. Fais ce qui colle bien. C'est pour ça qu'il te paie. D'accord, d'accord. Ça en ferait trop si je pleure. Juste une petite larme. Si le réalisateur veut quelque chose de spécifique, il te le dira sans doute. Oui. Je ne veux pas en faire trop. Mais surtout, je ne veux pas en faire pas assez. Je crois que ma scène est vraiment de quoi être la charnière sentimentale du film. Aaron, tu as une réplique. C'est d'accord. Ne réfléchis pas trop. Prends ton chèque et passe à autre chose. D'accord, d'accord. Wow! Ça mène ici. Mais je pense que je vais faire le tour. On change de décor pas mal, ça. On va aller par là. More prints. Is he doing this on purpose? Tu le vomis dégueulasse, puis ça doit être ça. C'est que j'adore ce jeu-là. L'effet de démolissage est tellement jouissif. L'exploration est le fun aussi, je veux dire. Je me sens pas de faire de. Tu sais, je fais pas des allers-retours non-stop là. T'sais. Wow, wow! J'ai pas vu ça. Étais-tu dans les poubelles? Faites-moi, c'est ça qui s'est passé. Il était dans les poubelles. Ah, il y a encore du vomi dégueulasse. Là, il est changé dans Starfield. Mais 203. Okay, on peut pas aller dans tous les studios. Le 4, il est pas... Space Fox, tu veux pas rentrer dedans. Le 5, vous dire que tu peux rentrer dedans, par exemple. Le 5, c'est Normandie Sunrise. Je sais pas c'est quoi. Ah, j'ai...
dystrophier une pauvre madame. Excusez-moi, madame. C'était pour vous. La porte à qui ça? Sarah Shepherd, space quelque chose, ok. Sarah Shepherd est quelque part ici. Clé des accessoires de Space Fox 2250. Bon, faut que je trouve un zombie qui a rapport à ça là. Il y a plein de dingues, je comprends pas. En tout cas, je suis le vomi. Là, ça va bien. Le 3, c'est quoi? C'est seaweed. Que je commence à avoir assez de. Ok, tantôt j'étais ici. Pièce récupérée. Dans celle-là. Friend without benefits. C'est quoi ça? Explosive warning. Miguelito, I need to give you more credit. Miguelito? Ok. Je peux aller par là. Il y a un safe. Kelly Joe Long Getting Friends Without Benefit. Allô? Mm-hmm.
clé de la valise et qu'il tourne. Question, c'est comment tu fais pour rentrer dans le 5? Tu peux-tu rentrer dans le 5? Quand même curieux. Juste mener mon enquête. On dirait que je vais être capable de... C'est peut-être une side quest future. Ça m'étonnerait pas. Yeah, these can't all be accidents. Dans le numéro 3. Okay, j'ai beaucoup de pièces récupérées, ça c'est bien. Michael! Hey Michael! Michael Douglas? He locked it behind him. Good call. Et plus sans infinité. Une forêt idyllique de jour. Des pieds apparemment vesical révèlent Sophia et Benji qui s'embrassent avec passion. Autour d'eux, les oiseaux volettent et les animaux des bois les observent paisiblement. Ils rompent leur étreinte les yeux dans les yeux. Sophia, je t'aime. Ils s'embrassent, fondus. La chambre de Benji de jour. Fondue. La chambre de Benji de jour.
Au lit, Benji est en plein rêve. Il sourit, pousse des bruits joyeux. Horatio, un carlin, lui lèche le visage. Benji ouvre les yeux et passe du bonheur à la consternation en découvrant la gueule d'Horatio qui la regarde langue pendante et gémit. Rire du public. Benji se redresse à contre-cœur, essuie la bave de son visage et regarde sa main avec désarroi. Benji, bon sang Horatio. Horatio se laisse tomber du lit et se dandine vers la porte. Benji se laisse retomber sur le lit et fixe tristement le plafond. Bruit attendri du public. Salon de jour. Sophia est à genoux par terre, elle joue joyeusement avec Horatio et fait la grimace quand il lui lèche le visage. Oh mon petit amour. Fondu. Chambre de Sophia de jour. Au lieu où lit, Sophia est en plein rêve. Elle porte un t-shirt sur lequel est marqué « Je déteste le matin ». Elle sourit, pousse des bruits de bonheur. Hakem est au lit avec elle et lui dépose tendrement des baisers sur la joue. Sophia ouvre les yeux et son sourire se fige. Hakem est sûr qu'il ne remarque rien. « Salut ». La nuit précédente revient brusquement à Sophia. Elle a un sourire forcé. « Salut ». Hakem rayonne de bonheur. « Je n'y crois pas, toi et moi ». Sophia hoche la tête, les yeux écarquillés. « Ah oui, incroyable ». Hakem bondit hors du lit. « Ça va être une super journée. Viens, on est en train de manquer le meilleur moment. » Hakem sort de la pièce et trottine. Sophia se laisse retomber sur le lit, se met un oreille sur la tête et crie dedans. « Ok, je comprends rien. » Ça va l'air tellement bon. Oh, au nouveau plan. Avantage, hécatombe. C'est quoi ça? Augmente les dégâts aux membres et la durabilité. Ça peut être intéressant. Les amis dehors. Effectivement, il y a des amis dehors. Il faudrait quoi pour compléter mon marteau? Il faudrait 6 pièces récupérées, j'ai pas ça. Came this way, but so did the goop monster. The goop monster. Ooh. Where'd he go from here? Only way is down. Ouais, pas mal de monde.
Moi, je pense qu'on va arrêter ça là. Je vais pas commencer rien de trop. De trop poussé, là. Intéressant. Est-ce qu'on va trouver Michael? Puis pourquoi il est venu ici, je sais pas, mais. En tout cas. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir été à tout le monde. Puis capiquez à tous. Et à la prochaine!